Qu'est-ce, seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre est-ce là? Je vous vois tout troublé. Oh, mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré. Je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte et ils me veulent marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne tiendra qu'à vous que je le sache bientôt. Je suis homme consolatif. Homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Oh, Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelque machine pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui fût plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice? Oui, elle en usa fort mal avec moi. Et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Basta! Ne laissez pas de me conter votre aventure. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Je sais cela. Et que Léandre et moi nous fûmes laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre et Léandre sous ta direction. Oui, je me suis fort bien acquitté de ma charge. Et quelques temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Je sais cela encore. Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour et me mena voir cette fille que je trouvais belle, à la vérité, mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté et sa grâce, me louait son esprit et me parlait avec transport des charmes de son entretien dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Il me querellait quelquefois de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait de dire et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. Un jour que je l'accompagnais pour aller chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes dans une petite maison d'une rue écartée quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères et qu'à moins d'être insensibles, nous en serions touchés. Où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante assistée d'une servante qui faisait des regrets. Et d'une jeune fille, toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse voir. Une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe avec des brassières de nuit qui étaient de simples futaines, et sa coiffure était une cornette jaune, retroussée au haut de sa tête, qui laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules. Et cependant, faite comme cela, elle brillait de 1000 attraits, et ce n'était qu'agrément et que charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Si tu l'avais vue, Scapin, en l'état que je dis, tu l'aurais trouvée admirable. Je n'en doute point, et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient point de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Elle avait à pleurer, une grâce touchante, et sa douleur était la plus belle du monde. Je vois tout cela. Elle faisait fondre chacun en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de cette mourante qu'elle appelait sa chère mère. Et il n'y avait personne qui n'eût l'âme percée de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant, hein. Je vois bien que ce bon naturel-là vous la fit aimer. Oh, Scapin, un barbare l'aurait aimé. Assurément, le moyen de s'en empêcher. Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là. Et demandant à Léandre ce qu'il lui semblait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez joli. Je fus piqué de la froideur avec laquelle il m'en parlait et ne voulus point lui découvrir l'effet que ses beautés avaient fait sur mon âme. Si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante devenue la gouvernante par le trépas de la mère. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure, point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille honnête. Et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Maintenant! Mais avec cela, le retour imprévu du père, qu'on attendait que dans 2 mois.
la découverte que l'oncle a faite du secret de notre mariage. Et l'autre mariage qu'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a eue d'une seconde femme qu'on dit qu'il a épousée apparente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette aimable personne et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? Vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. C'est bien là de quoi se tente à l'armée. N'as-tu point de honte, toi, de demeurer court à si peu de choses? Que diable, te voilà grand et gros comme père et mère, et tu ne saurais trouver dans ta tête, forgé dans ton esprit, quelques ruses galantes, quelques honnêtes petits stratagèmes, pour ajuster vos affaires, fille? Peste soit du butor. Je voudrais bien que l'on m'eût donné autrefois nos vieillards à duper. Je les aurais joués tous deux par-dessous la jambe, et je n'étais pas plus grand que cela, que je me signalais déjà par 100 tours d'adresse jolie. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents, et que je n'ai pas l'esprit, comme toi, de me brouiller avec la justice. Oh. Voici mon aimable Hyacinthe.